The Polyglot Gathering is brought to you by iTalki. Become fluent in any language. Donc vous êtes à cette conférence pour entendre parler de l'activité de professeur sur Internet. Donc pour commencer, je voudrais dédier cette conférence à mes élèves. Mes élèves passés, présents, futurs, Lisa, Peter, Christy, Ryan, bon, tous ceux qui m'entendent, cette conférence vous est dédiée, et puis voilà. Cette conférence est en français, j'aimerais savoir qui me comprend. Ok, ça marche. Et pour les autres, je vais essayer de rendre cette présentation la plus expressive et la plus imagée possible pour qu'elle soit agréable pour vous. Donc j'aimerais déjà savoir un petit peu qui vous êtes. Parmi vous, qui est professeur offline ou online? Ok. Et qui est professeur online? Juste online. D'accord, bon, donc il y a du monde à convaincre. Et comment étudiez-vous? Est-ce que vous utilisez des apps? Oui? Offline, qui n'a jamais touché à Internet pour apprendre? Bon, d'accord, donc là on est déjà en territoire conquis. Et qui a déjà utilisé un tuteur online? D'accord. Donc, à l'occasion de cette conférence, j'espère, si vous êtes professeur, j'espère vous convaincre d'essayer d'enseigner sur Internet, parce que c'est une activité fantastique. Si vous êtes élève, je vais vous convaincre aussi d'essayer un professeur sur Internet. Vous aurez aussi une expérience humaine unique et voilà, pleine de bonheur. Et voilà, c'est parti. Je m'appelle Léa. Et je suis professeur online, on se répète. Voilà, ça c'est moi. Bah ouais. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Dans la salle de classe. Qu'est-ce que c'est travailler sur Internet? Donc déjà, c'est la liberté de localisation, c'est potentiellement la maison, si vous souhaitez travailler à la maison. En général, moi je travaille sur une table debout. Comme ça, ou bien je travaille à mon bureau, ou bien dans mon canapé. Voilà, faut varier les positions, c'est plus agréable. et quoi d'autre? Et si vous êtes minimaliste, puriste, enseigné online, c'est une forme de dématérialisation très agréable, bah, parce que vous avez juste votre ordinateur, tout est sur Internet. Et pour les puristes intellectuels, bah voilà, c'est super, parce qu'on a juste la pure connaissance, on ne s'encombre pas de matériaux lourds. Voilà. Donc aujourd'hui, on va commencer par quelques faits, ensuite des histoires, et ensuite quelques idées, comment l'enseignement sur Internet va changer le monde, des hypothèses. Et puis là, j'aimerais aussi entendre votre avis là-dessus. Et en dernier, voilà, lancez-vous bien sûr, c'est le but de cette présentation. Quelques faits, qu'est-ce que c'est online teacher? Donc on va dire ça, c'est le prof online. Dans mon cas, j'enseigne le français. En 3 ans, j'ai fait environ 4500 leçons entre eTalki et entre mon site personnel. C'est un job à plein temps, donc je réponds tout de suite à ceux qui me demandent « Mais tu arrives à en vivre ?» Oui. Voilà, donc ça c'est à quoi ressemble mon agenda dans la semaine. Et un point commun avec nos amis blogueurs et autres nomades numériques, c'est la liberté de localisation. Donc depuis que je fais ce métier, j'ai eu l'occasion d'habiter dans,
dans une petite dizaine de pays, avec, voilà, avec le, tout le confort possible. Donc tout ça, c'est chouette. Et qui apprend avec moi, donc, c'est-à-dire le profil de mes élèves? Âge entre 5 et 83 ans? 83, authentique. 50 nationalités, j'ai noté. Et les sources de mes élèves, Italki, Blogger, merci à vous, le bouche à oreille, et aussi Airbnb, parce qu'en fait il se trouve que je suis hôtesse Airbnb, que j'ai fréquemment des étrangers à la maison, et c'était une source de, bah, d'élèves non négligeables. Voilà, ça c'est un petit graphique qui illustre le nombre d'étudiants par pays. Le gros morceau bleu, c'est les États-Unis. Ensuite, on a le Royaume-Uni, la Russie, Canada, Australie, Chine, Allemagne, Espagne et... Hop là. Mais voilà, si on descend, on trouve Irlande, Belgique, blablabla, ça fait 50. Et voilà une représentation géographique. Bon, c'est un petit peu flou. Et bon, bref, quand vous travaillez sur Internet, vous avez accès au monde entier depuis votre bureau. Voilà. Quelques histoires. On va commencer par une série de photos. Voilà, ça c'est les États-Unis. L'élève prend la leçon depuis chez lui, tranquille. Derrière, vous pouvez voir, c'est le perchoir du perroquet. Le perroquet s'appelle Brigitte. Hommage à Brigitte. Et voilà, donc ambiance très sympathique, tout le monde est content. Ah, ça c'est la Chine. Mon élève était toute contente de me présenter Le Petit Prince, version chinoise. Après un peu de temps d'études du français, j'espère qu'elle pourra lire Le Petit Prince en français, en version originale. Quand vous êtes professeur sur Internet, vos élèves peuvent aussi vous emmener en balade. Donc ça, c'est une leçon où mon élève a fait sa leçon dans les rues de Hong Kong. Et puis il m'a fait visiter le quartier de son enfance, c'était chouette. Il était très tard. Il était 1h du matin. Et pour lui. Australie. Ouais, c'est une petite destination de vacances. Vous avez vu comme il fait beau? Et encore une fois, l'élève prend la leçon à sa terrasse. La connexion était bonne. Ouais, c'était bon. Les enfants. Alors, oui, vous pouvez mettre vos enfants sur Internet et puis les confier à un tuteur. Les enfants aiment apprendre en vidéo. Bon, c'est tout un sujet. Et là, on avait fait un échange entre deux petites filles, une petite fille en Italie et ma petite sœur. Elles s'envoyaient des cartes postales en français. Et bien sûr, les animaux. Donc quand vous apprenez sur Internet et quand vous enseignez sur Internet, les animaux ont une place importante. Les élèves amènent leur chat pendant la leçon, ou amènent leur chien, le perroquet. Dans la psychologie de l'apprentissage, dans la relaxation nécessaire, c'est important d'être relaxé pour apprendre. Les animaux contribuent à vous faire vous sentir bien et les élèves aiment bien les ramener. Ça va comme je me place là? Je suis derrière, mais c'est mieux si je suis devant, ben. Ok. Bon, parfois ça bug un petit peu. Parfois la connexion peut sauter. Patience. les problèmes sont mineurs et au final, on a surtout du plaisir et des bons moments échangés. Donc vous avez remarqué la diversité du public qui est atteint et j'ai un taux de succès dans la relation qui est vraiment intéressant. Donc sur près de 500 personnes rencontrées, j'ai eu deux échecs au niveau de la relation humaine.
alors que dans la vraie vie, c'est différent. Donc pourquoi, je me suis posé la question, comment cette alchimie est possible? Donc mon idée, c'est que dans le monde offline, on a des critères physiques qui font des démarcations instantanées. La première chose, c'est la taille. Voilà. Donc là, une personne est un enfant, ou bien moi, quand je suis avec un... Si je suis face à un grand monsieur, il y a des démarcations qui sont. Et par contre, en webcam, on est face à face. Là. Bon bref, vous avez vu l'image. Donc on est face à face, et ça crée une égalité. Tout ce qu'on voit, c'est les expressions de la personne, son état, sa voix, et c'est l'essentiel de l'humain qui passe. En fait, j'ai remarqué ça après avoir eu des relations d'apprentissage avec des élèves pendant peut-être 2 ans, et ensuite les rencontrer offline. La première chose qui me frappait, c'était la taille, la différence de taille. Voilà. Et ça compte. Et en webcam, vous avez une relation d'égalité où c'est facile d'établir un contact authentique avec la personne. Quelques portraits. Les leçons online m'ont amené des personnes assez extraordinaires. Commencer, Mathieu Aubin, Fernande de Cruc, la compositrice oubliée. Un jour, un Américain m'a contacté, il s'est présenté comme chef d'orchestre qui entamait un projet de recherche où il avait décidé de remettre à jour une compositrice française oubliée qui s'appelle Fernande de Cruc. Et donc, peu à peu, la confiance s'est installée. Je l'ai accompagnée dans la communication avec les maisons d'édition. Puis on a vu tout le processus s'épanouir. Et cette année, ils sont en train d'enregistrer l'album de Fernande de Cruc. Il y a eu les premiers concerts. On s'est rencontrés offline. Ah, c'est chouette. C'est Mathieu. Autre rencontre, Cory. Il y a 3 ans, Cory est venue à ma rencontre aussi pour des leçons. Et Cory est écrivain. Et en 3 ans de leçons, j'ai vu semaine après semaine son travail évoluer. Et elle a produit en 3 ans sa série de livres. Elle a produit 6 livres. Voilà, c'est elle, à droite, avec une de ses fans. Voilà. Quel autre type de personnes on trouve? Tous les profils sont possibles, toutes les situations personnelles. Ça peut aller de apprendre le français pour sa relation de couple, apprendre pour un voyage à Paris, apprendre pour le travail, des expatriés. Aussi, il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre le français juste parce que c'est beau. Ça, mais généralement, c'est pas la meilleure motivation, mais on m'écrit assez souvent pour ça. De online à offline, on a quelques... Toi, tu m'as dit... Simon, c'est ça? Tu m'as dit que tu avais rencontré du monde aussi offline. Quand vous êtes professeur sur Internet, vous aurez peut-être la magie de rencontrer un jour vos élèves en chair et en os. Ça, c'est dans ma ville, à Saumur en France, la vallée de la Loire, une très belle région d'ailleurs, que je vous invite à visiter. J'ai des élèves qui sont venus pour faire des séjours d'immersion à la maison. Aussi, en octobre dernier, à l'occasion de la conférence polyglotte de New York, j'en ai profité pour aller à New York et puis pour aller à la rencontre d'élèves de la côte Est. J'ai rencontré des élèves à Paris. En Suisse, il y en a qui sont venus me voir. Avec le temps, ça forge des belles relations. Révolution. Quelques idées que je voulais partager. Est-ce qu'il y a des urbanistes parmi vous? Ok. Alors, c'est quoi? Urbaniste.
Un urbaniste, c'est un spécialiste de la planification urbaine, soit à l'échelle des villes, soit à l'échelle du territoire. j'espère que le travail à distance, et donc cela inclut l'enseignement online, j'espère que ça va contribuer à la décentralisation de Paris. Voilà, si quelqu'un m'entend. Et révolution, bon, sur d'autres aspects, la relation d'apprentissage online est bénéfique pour l'étudiant comme le professeur. J'en suis convaincue. On a des personnes qui sont plus relaxées, parce que les personnes apprennent de chez elles, comme on dit, ça peut être avec le chien, le chat, ça peut être dans le canapé. Non, on est plus détendu. Aussi, c'est plus efficace qu'à l'école, parce qu'on a une situation d'immersion. Voilà. Donc, lancez-vous. Si vous apprenez les langues, allez-y. Rencontrez un tuteur sur Internet. Si vous êtes professeur, lancez-vous sur Internet aussi. Hop, que du plaisir. Voilà, ça c'est mon site perso. Maintenant, je coach des jeunes professeurs pour les aider à élaborer leur stratégie quand ils passent online. Et mes élèves ont aussi le plaisir de pouvoir participer à des masterclass de français sur leacafé.com. Remerciements. Donc tout d'abord, je voudrais remercier Italki, Itokai, Italki, comme ils veulent qu'on les appelle. Donc je dois beaucoup à Italki, c'est un site fantastique, ils ont une très bonne équipe. Et ils m'ont apporté mes premiers étudiants. Maintenant, je travaille encore plus que la moitié du temps sur Italki. Et Italki, je vous remercie. Aussi, je voudrais remercier Benny. Voilà, Benny est là. Benny m'a fait confiance dès le début. Et sa confiance m'a aidé à continuer. Ça m'a encouragé à aller plus loin. Et je suis allée plus loin. Et merci, Benny. Bon, la parole est à vous. Alors, bonjour. Ouais, j'ai une question. Moi, j'ai fait aussi des leçons online. Mais je me demandais, en fait, si c'est plus difficile de faire des leçons pour des enfants. Des raisons d'attention. Moi, je trouve difficile vraiment quand j'ai fait des leçons dans une classe normale. Je veux dire normale, presque que j'étais présent pour contrôler les enfants. Et après, quand j'imagine de faire une leçon à un enfant, par exemple, de 8 ans, ça, c'est un peu effrayant pour moi, pour savoir comment vraiment motiver l'enfant, qu'il ne se distrait pas. Et tout ça parce qu'on n'est pas là avec lui ou avec elle. Question. Qui d'autre a les expériences d'enseigner aux enfants ou d'avoir mis ses enfants avec des tuteurs sur Internet? Cady? Ok. Et donc, est-ce qu'il y a un autre micro dans la salle? Ok. Vous pouvez faire passer. Allez, bon. Yeah, yeah. Bonjour à tous. Je souhaitais premièrement remercier Léa pour ta présentation qui était vraiment très instructive et qui aussi, je pense, qui va pousser les gens qui sont encore offline comme moi à peut-être aller en online. Et pour revenir à ta question, Santiago, l'éducation, enfin quand j'ai déjà fait des cours en ligne avec sur Skype en fait avec des enfants. C'est vrai qu'il faut être beaucoup plus créatif dans le sens où ça ne peut pas être un cours qu'on donne à un adulte.
où ça va être vraiment très structuré. On va dire, voilà, on va commencer par une introduction, ensuite on va partir dans la partie grammaticale, et ensuite on va faire quelques exercices. C'est vraiment trouver l'intérêt de l'enfant, de lui demander ce que l'enfant aime faire d'abord, et à partir de ça, créer des cours sur ce que aime l'enfant. Donc, par aussi l'enfant, moi j'ai une étudiante qui a 8 ans, et qui apprend du coup le français mais via l'espagnol, et du coup elle me dit j'adore Minecraft, et moi j'étais là ok, Minecraft qu'est-ce que c'est, je connais pas. J'ai dû faire des recherches dessus, et à partir de là c'est vrai que les cours sont vraiment très orientés sur le gaming mais en français, et du coup j'ai réussi à lui apporter un plus grand intérêt au français grâce au jeu Minecraft. En fait, j'ai utilisé aussi. J'ai joué aussi sur Minecraft avec des élèves, justement. Oui, donc pour les enfants, oui, maintenir l'attention d'un enfant sur Internet, ça demande beaucoup d'énergie de la part du tuteur. Et puis, pour moi, ce qui a marché, c'est faire une phase d'introduction où on invite l'enfant à parler de choses qu'il aime, hein. Donc les animaux, imaginer le dialogue dans une famille de chats, et puis il y a une phase purement webcam, mais aussi on peut comment dire, solliciter l'environnement physique. Donc normalement moi je fais 30 minutes numérique et 30 minutes on fait des jeux dans le monde plus physique où il faut aller chercher des choses. Et les enfants aiment. La pédagogie est encore en construction. Allez-y. Autre question. Merci d'abord pour ta présentation. C'est très intéressant. Je retrouve beaucoup de mes expériences à travers les tiennes, je m'y retrouve beaucoup. Mais donc moi je suis tuteur, on a parlé ensemble, et les tuteurs ils sont moins chers, ils ont de l'expérience aussi, ils parlent la langue, ils sont motivés. En gros, pourquoi choisir un professeur professionnel plutôt qu'un tuteur? Avec moi, les élèves ont un cadre psychologique stimulant. Et puis aussi au niveau de la structure, bon là je n'ai pas parlé de la structure de mes cours, donc les services que j'offre dans ma structure, la structure est impeccable, elle est personnalisée, parce que tu sais j'utilise Google Doc, et donc chaque élève a un document unique, avec une structure de base, mais qui est adaptée à l'élève. Et aussi, il y a de la réduction d'accent, il y a de l'analyse phonétique. Et sinon, pourquoi c'est plus cher? Parce que il y a des exigences. Donc en fait, pour travailler avec moi, les élèves doivent s'engager sur le long terme. Aussi, c'est un engagement qu'ils font avec eux-mêmes. Moi, j'exige qu'ils fassent cet engagement avec eux-mêmes pour pouvoir travailler avec moi. Et voilà. Et si la demande est suffisante pour toi, augmente tes prix. Non, je ne sais pas du tout par rapport à ça, mais c'était une bonne réponse parce que je ne fais pas tout ça. J'ai aucune structure, donc voilà. En fait, est-ce que je pourrais vous montrer? Oui, la structure, c'est tout un autre chapitre. Oui, autre question? Juste par la structure, comment faites-vous pour trouver et choisir vos matières d'instruction et sur Italki? Enfin, je ne connais pas le système, mais avec une cinquantaine de pays, comment est-ce qu'on fait pour que l'élève paye et que vous soyez payé? Sur Italki, il y a un système de booking et de paiement qui marche impeccablement. Et sur mon site Léa Café, de même, il y a un système de réservation qui marche parfaitement.
les élèves payent en avance. Et les calendriers utilisés sont multi-time zone. Donc vous renseignez votre fuseau horaire. Et ensuite, le calendrier l'adapte au mien. Et voilà, les applications sont bien faites et elles rendent la navigation fluide pour les utilisateurs. Merci Léa. Moi j'ai une question. Je ne savais pas que tu avais tellement d'étudiants. Donc c'est sûr que tu auras des histoires très intéressantes. Donc je veux savoir, c'était quoi la leçon la plus bizarre? La leçon la plus bizarre. Je dis la nationalité ou pas? Ok, non, j'en ai eu quelques années. Alors j'ai eu un monsieur du fin fond de la Chine. Et en fait, ce qui était bizarre, c'est que la webcam était à une certaine distance. Et en fait, je le voyais avec ses genoux. Alors que d'habitude, on a juste la tête comme ça. Et voilà, il était là, et puis il parlait avec des grands gestes de magicien, comme ça. Et il était très sympathique. Ça c'était bizarre. Et aussi, parfois j'ai des familles entières qui viennent dans la webcam. Donc au début, par exemple, ça c'est fréquent chez les enfants. Donc papa maman en réserve une leçon pour la petite fille de 8 ans. Alors il y a la petite fille de 8 ans, là toute contente. Et puis là on voit une petite tête blonde. Donc il y a juste le sommet du crâne qui arrive. Ah, c'est ma petite sœur. Voilà, ça c'est la petite sœur. Après il y a maman qui arrive avec un bébé dans les bras. Et on se retrouve avec toute une famille dans la webcam. C'est fréquent, c'est marrant, c'est convivial. Bonjour, merci. Bonjour. Beaucoup, c'était très bien. Tu as mentionné des échecs, je voulais savoir comment ça n'a pas marché, c'était toi qui as rompu le rapport avec le mec ou la femme, ou qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un élève qui a pris plus de 60 leçons avec moi, et c'est quelqu'un qui avait un blocage mental, qui était très timide quand il parlait, et normalement j'arrive toujours à débloquer ça, mais là j'ai pas réussi. Et ça a duré, l'échange a duré 3-4 mois, et donc à l'oral, il était très lent. Et un jour, je l'ai fait écrire, et il écrivait très bien. Mais c'était un échec. Et donc voilà, on a arrêté. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme échec? L'autre. Regarde, là je me rappelle pas, mais celui-ci il est bien net. Oui. Autre chose? Moi, je ne connais pas le système Italki. Tu expliques tout en français à tes enfants? Tu ne parles que le français en faisant des leçons? Je veux dire en fonction du niveau des gens? Mais par exemple, si tu parles avec un Américain qui commence à apprendre le français, ouais. Alors tu commences à... en anglais ou tu ne parles que le français? Normalement, pour les débutants, j'applique une méthode inspirée de Michel Thomas. Mmh. Et donc, Michel Thomas, c'est une méthode où on immerse l'étudiant dans le français directement, dans la langue apprise, avec une série de phrases simples, un peu sous forme d'escalier. Par exemple, je vais au supermarché. Je vais au supermarché demain. Je vais au supermarché demain avec ma grand-mère. Mais tu ne traduis pas en anglais? Normalement, je ne traduis pas. Si l'élève est dans une situation de détresse, et notamment avec la technique, là, oui, on recourt à l'anglais. L'anglais, c'est quand même une boîte de secours. Et puis, et oui, j'utilise parfois l'anglais pour des traductions avec le niveau avancé. C'est une ressource pédagogique. Autre chose? Quel était le processus d'apprentissage le plus long en termes de leçons? Vous voulez dire l'élève qui apprenait le plus lentement?
Oui. Oui, il y a deux élèves pour qui ça prend plus de temps, mais pour atteindre quel niveau de langue, apprentissage, comment ça? Quelconque. 3 mois, 5 mois, 1 année. J'ai deux élèves pour qui ça prend plus de temps. Et les tortues sont parfois, vous savez, ceux qui arrivent à la ligne d'arrivée des premiers. Les élèves pour qui c'est lent, parfois c'est des élèves réguliers qui font. Et donc au final ça marche bien. Il y a des sprinteurs, il y a des lents. Vous connaissez aussi la courbe du progrès. Donc on progresse par palier, il y a des gens qui stagnent pendant 3 mois. Et après, hop, ça monte. Voilà. Moi j'ai une question. Oui. Allez-y d'abord, vous aviez commencé. Je voudrais reposer la question, ou la première question que j'ai posée tout à l'heure. Les matières que vous utilisez, comment est-ce que vous les trouvez? Les matériaux. Les matériaux, merci. Les matériaux d'instruction. D'où est-ce que vous les cherchez? Comment est-ce que vous planifiez une leçon? Pour les professeurs de français, nous avons une base de ressources qui est fantastique. Elle s'appelle lepointdufle.com. Tu utilises? Ok, pour le français, j'ai la chance d'avoir une grande banque de données bien organisée, faite par des professeurs avant moi. Voilà, ça c'est fantastique. Je me base là-dessus. Avec l'expérience, il y a quelques ressources que j'utilise systématiquement plus que les autres. Et pour les niveaux avancés, je crée normalement les matériaux en même temps. Je crée tout pendant les leçons. Et voilà. Donc maintenant, c'est un niveau moitié-moitié, où je crée moitié moi-même, et puis moitié, j'utilise des matériaux créés par d'autres personnes. S'il y a des professeurs de français dans la salle, j'ai des excellentes ressources à vous recommander. Lepointdufle.com. L-E, point, comme point, et dufle, F-L-E, point, comme. Et il y avait... Ah déjà, oui, vous lui demandez quelque chose? Non, c'était ma question, en fait. Oui, allez-y. Non, c'est la même question. Ah, d'accord. Oui. Ok. Inspiré, autre chose? Donc, on a terminé un peu l'avance. Si vous souhaitez parler d'un autre sujet, on peut parler des structures... Il y a d'autres thématiques qui peuvent être abordées maintenant. Oui, là, il y a une question. Dans un des talks d'avant, on avait le thème de dépression. Et la dépression nerveuse? Non, seulement la dépression comme... Oui. La dépression nerveuse, oui. D'accord. Et si... Apprendre des langues et se mettre dehors et approcher des gens aide aux gens de quitter la dépression. Est-ce que vous avez quelques expériences avec cela? Oui. Simon posait la question, qu'est-ce que c'est payer un professeur plus cher? Avec le temps, je suis devenue peu à peu la coach personnelle de certains de mes élèves. Et comment ces rencontres régulières, je pense qu'elles contribuent au bien-être mental, parce que déjà il y a la régularité, le professeur c'est une personne qui écoute. Et comme je vous avais montré sur la relation entre les personnes, l'échange par webcam, ça marche bien avec les introvertis, avec les personnes plus réservées. Quand une personne est dans un état dépressif, généralement, elle va avoir des difficultés à faire un premier pas positif, on dit engaging, avec une autre personne. Et avec la webcam, c'est plus facile de faire ce premier contact et de reprendre un peu confiance en soi.
dans un dialogue, on va dire self-rewarding. Merci. Il y a des élèves qui sont, comme on dit en anglais, self-conscious, un petit peu, qui sont un petit peu trop. Ça, pour moi, ça reste un des obstacles, et c'est aussi l'un des problèmes chez les personnes dépressives. Et il faut essayer de s'oublier. Et la webcam permet de s'oublier un peu, parce qu'on a le tuteur en face. Et voilà. Donc oui, la réponse est oui. À la sœur de Cadiz. Tout d'abord, merci pour cette conférence, parce que je trouve ce sujet très intéressant. Et je voulais savoir, parce que je pense ce qui rebute un peu les personnes pour prendre un cours en ligne, c'est le fait de, comme on n'a pas le professeur devant soi, on ne sait pas comment il va faire pour évaluer le niveau et pour définir les objectifs. Donc je voulais savoir comment tu t'y prends pour évaluer le niveau de l'élève et après que vous définissiez ensemble des objectifs. Par exemple, on va atteindre tel niveau en français. Comment tu t'y prends ? Le test de niveau, il y a deux activités que je propose à l'élève lors de sa leçon d'essai dans l'ordre de 30 minutes. La première, c'est une analyse d'accent. Donc ça, les élèves apprécient parce que c'est très méthodique. Puis on utilise l'alphabet phonétique international, ça plaît bien. Et l'autre technique que j'utilise, j'appelle ça la traduction en escalier. C'est un petit peu proche de Michel Thomas. Donc en fait, moi j'écris une série de phrases en anglais et l'élève doit traduire. Et donc j'utilise un verbe simple. Si je vous donne une série, ok, je vais vous faire. Moi je vous dis les phrases en anglais, vous vous traduisez en français. Donc I give. Je donne. You give. She donne. Et she gives. Elle trop facile. Et she gives the key to her brother. Elle donne la clé à son frère. Ensuite, she gives it to him. Ah oui. Elle la lui donne. Oui, on continue. She's going to give it to him. Elle va la lui donner, très bien. Ok, ça c'est la première phase. Deuxième phase. She says, I'm going to give it to you. Elle dit, je vais te la donner. Ensuite, she said that she would give it to him. Elle a dit qu'elle la lui donnerait, oui! Et voilà, on y va ainsi de suite. Et c'est rapide, c'est méthodique. Et c'est un circuit de traduction qui met l'élève en confiance et en même temps qui lui montre exactement ce qui manque. Enfin, c'est parfait. Enfin, moi, c'est ma méthode. Alors, bah, moi, j'ai assez de connaissances en espagnol pour le faire. Et sinon, en fait, la culture online, tous les élèves que je rencontre parlent anglais en langue secondaire. Avant le français. Donc, pour les enfants, c'est différent. Sinon, je m'adapte. Hein. Sinon, le métier de professeur online, on s'adapte en permanence. Chaque jour, c'est nouveau. C'est tout ? Ok. Est-ce qu'il y a un sujet que vous aimeriez que j'approfondisse particulièrement ? Oui, Johanna ? Désolée, je suis arrivée en retard, alors je pense pas que tu l'aies mentionné. Est-ce que tu peux parler de la structure de tes cours ? Est-ce que tu pourrais nous parler de la... Tu l'as mentionné tout à l'heure, je ne sais pas si tu en as parlé pendant le talk, de la structure de tes cours. Oui. Merci. Peut-être que je pourrais vous montrer un exemple. Vous voulez voir un exemple ? Vous êtes motivé ? Oui. Ok. Ah, on est connecté à Internet. Qui comporte le basket. C'est long. Ok.
Oui, donc je peux commencer à l'oral. Mes principes de structure. Je crée la structure pendant le cours. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de coacher mes professeurs qui prennent des consultations à faire. Je ne prépare jamais un cours en avance. Tout est créé en live, c'est ce qui me permet de faire de la grosse quantité. Et donc pour ça, j'utilise une structure à la fois formelle et dynamique. Donc par exemple, ça c'est Peter. Donc c'est un Google Doc. J'utilise un Google Doc par an. C'est catégorisé par mois. Vous voyez, j'ai des bookmarks qui renvoient à chaque leçon. Donc j'utilise des tableaux, c'est tout simple. Et on peut colorer les tableaux pour le design, c'est super facile. À la maison, ça c'est la partie les devoirs, homework. Ensuite, il y a une partie prochaine session, les prochaines leçons. Là, je liste les défauts de l'élève sur lesquels il faut travailler en priorité. L'élève peut aussi mettre des choses là. Et ensuite, voilà, c'est date par date. Il y a une petite partie. Ah bon, excuse-moi. Ok, donc il y a une petite partie narrative. Bon, ça, c'est mon style. Chaque professeur fait comme il veut. Pendant la leçon, je note, je tape tout le dialogue. Donc ça permet aux élèves qui ont une compréhension orale incertaine de suivre l'écrit en même temps que l'oral. J'alterne des parties dialogue brut avec des petites phrases narratives. Comme ça, c'est plus sympa quand on relit plus tard. Et donc là, il y a un tableau pour le vocabulaire. J'utilise des tableaux. Vous voyez, c'est ENFR. Des traductions anglais-français. Et pour chaque leçon, il y a le menu du jour. Le menu du jour, c'est un tableau ici. Normalement, il y a un petit logo. Là, il n'est pas apparu, peut-être à cause de la collection, je ne sais pas. Et donc, c'est comme ça que c'est organisé. Et dans le document, j'insère des liens vers des exercices interactifs. Et l'élève peut faire son travail à la maison directement à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Pour les analyses d'accent... Brigitte, c'est le perroquet. Brigitte est bavarde aujourd'hui, parce que le perroquet faisait beaucoup de bruit ce jour-là. Vous comprenez ? Et donc ça, c'est mes tableaux d'analyse d'accent. On fait ça... on va dire phonème par phonème, thématique par thématique. Voilà, c'est dynamique, c'est personnalisé, c'est visuel. Et les élèves adorent. Et donc j'ai rencontré d'autres professeurs qui utilisaient les Google Docs, parce que moi aussi je prends des leçons régulièrement avec des professeurs extérieurs pour m'inspirer, pour voir comment chacun travaille. Et je pense que la communauté de professeurs online mérite de mieux utiliser les outils online disponibles, notamment Google Docs, qui est un outil fantastique. Est-ce que j'ai répondu à la question de la structure ? D'accord. Encore ? Alors, vous avez cité tellement de statistiques. Le moyen étudiant, combien de leçons on prend ? En moyenne, alors je catégorise toujours, j'ai des cercles d'étudiants. Donc au total, il y a, on va dire, 500 personnes qui ont pris des leçons donc une fois avec moi. Après, il y a un cercle de 200 personnes qui ont pris des leçons, qui ont pris minimum 10 leçons. 10 leçons, c'est pas beaucoup, mais c'est pour des objectifs très précis, travailler pour ça, c'est ça. Ensuite, il y a un cercle plus petit, 80 personnes qui ont pris minimum 80 leçons, ça fait quand même un apprentissage. Sur Internet, l'engagement, c'est pas facile. Ça, tous les professeurs qui vont se mettre à travailler sur Internet devront faire face à ça. C'est que pour l'instant,
On a besoin d'améliorer l'engagement des élèves sur le long terme. Donc voilà, 70 à 80 personnes qui ont pris moins de 100 leçons. Et ensuite, j'ai un cercle de vrais fidèles qui prennent des leçons avec moi depuis 2 ou 3 ans. Et donc là, c'est des centaines de leçons. Il y a des cercles. Combien dans le dernier cercle Fidèles. Oh, mes fidèles, il y en a 60 ou 50 personnes. C'est des personnes qui prennent des leçons soit minimum une fois par semaine, soit ça peut être des gens qui vont disparaître pendant un petit moment, parce que voilà, chacun a sa vie, il y a des moments où on n'a pas le temps d'étudier, et c'est aussi des personnes qui vont revenir, et avec qui on a des vrais échanges personnels, c'est une soixantaine de personnes. Vous partagez l'écran avec vos étudiants, et pour qu'ils voient aussi là. Oui, bien sûr. Tu veux dire le Google Doc? Oui. Ils voient ce que vous voyez quand vous faites la leçon. Oui, donc le Google Doc, c'est dans le cloud, et l'étudiant et le professeur sont dessus en même temps. Donc moi j'écris, mais l'étudiant peut écrire simultanément. Et au début de chaque leçon, c'est le petit rituel, enfin au début de la première leçon, il y a le petit rituel de mise en place, où avant de commencer l'appel, d'abord j'installe l'étudiant sur le Google Doc, comme ça il se retrouve un peu dans un cadre, il se sent... Voilà, et voilà, donc l'étudiant est dessus en live avec moi. Oui. Merci. Alors, je voulais savoir comment avez-vous commencé avec iTalki et tout ça. Voilà, donc les origines. Moi, j'ai toujours voulu travailler dans le domaine de l'éducation innovante. De l'éducation disruptive, parce que j'avais moi-même appris l'anglais de façon disruptive quand j'étais enfant sur Internet. Et donc, comment j'ai commencé sur iTalki? Je me suis inscrite. J'ai commencé avec des prix assez bas. Et iTalki a un bon trafic. Donc, dès le début, j'ai eu un plein temps. Dès les 3-4 premiers mois. Et ensuite, le chemin à faire, c'était construire ma pédagogie online. C'était augmenter les prix petit à petit au fur et à mesure que la demande augmentait. Et voilà. Est-ce que tu es professeur sur iTalki? Tu voudrais essayer? Alors, pas sur iTalki, avec les étudiants face à face en Australie. Ah, donc offline. D'accord. Amène tes étudiants sur Internet. Je l'ai fait en fait. J'ai commencé dans des écoles, et après la moitié maintenant sont sur Internet. Je n'utilise pas iTalki, je me connais en fait. Ok. Merci à tous. Je pense qu'on peut terminer maintenant. Je résume, vous pouvez me retrouver sur leacafé.com si vous voulez parler de votre stratégie de professeur, si vous voulez rentrer en contact avec moi. Vous pouvez aussi me trouver sur iTalki pour des leçons one-on-one. Et je sais que maintenant, iTalki voudrait réunir les utilisateurs du site pour faire une photo. Donc ce sera dehors. Moi, je relaie l'information. Merci à tous pour votre présence.